5 jours durant, les jeunes des églises et de l'aumônerie protestante Bilitor du site Kivu suivaient les enseignements au travers plusieurs orateurs. Le premier jour, mercredi 23 août, trois enseignants ont exhorté les jeunes. Le premier a développé le thème « L'éveil de la jeunesse chrétienne, espoir et lumière du monde ». Donc je voulais tout simplement démontrer aux jeunes que l'avenir dépend d'eux, par leur façon d'abord de pouvoir s'interroger sur ce qui se passe, d'apprendre sur ce qu'il faut faire et afin d'agir. Voilà au moins la quintessence du message que j'ai laissé aux jeunes aujourd'hui. Le deuxième développe le thème intitulé « Le rôle d'un jeune dans l'Église ». Alors, le but de cet enseignement était de pousser les jeunes à être responsables, à assumer les responsabilités comme Dieu les veut, comme la Bible le précise. C'est ça ce que nous pouvons retenir. Mais nous déplorons, puisque nous militaires, souvent, c'est une église qui regorge à peu près 300 fidèles. Mais si nous comptons les militaires, nous sommes peut-être au nombre de 5 ou 6. Ce que je déplore. Mais dans cette assemblée, et dans d'autres paroisses, je veux beaucoup féliciter les paroisses de la plaine de la Rouzizi qui ont envoyé beaucoup de jeunes et surtout les enfants des militaires. Ils ont bien répondu à cette invitation. Et l'appel que je dois, le message que je peux lancer, c'est de sensibiliser tous les jeunes en général, sans distinction de communautés. Puisque d'ailleurs dans nos invitations, nous avons essayé d'inviter le jeune de la 8e CEPA qui est Luberizi. Et le troisième a exhorté les jeunes sur le choix du conjoint ou conjointe dans la vie chrétienne. Là nous avons pu montrer que la vie spirituelle repose sur un bon choix du conjoint ou conjointe à qui on pourra opérer. Parce que la vie familiale fait aussi partie de la vie spirituelle. Si on n'a pas une bonne vie familiale ou vie conjugale, ça aura un impact négatif, positif sur la vie spirituelle. Voilà pourquoi nous avons insisté sur les choix de bons conjoints ou conjointes, mais aussi comment la vie chrétienne peut être sauvegardée après le choix du conjoint ou de la conjointe. Aussi, je voulais insister sur comment vivre un bon foyer tout en restant dans le ministère ou dans l'œuvre de Dieu après avoir opéré son choix de mariage. Le jeudi 24 août, des orateurs étaient au rendez-vous. Le premier a développé le thème intitulé « Le leadership ». Qu'est-ce que c'est le leadership? On nous dit que c'est la capacité d'un individu à conduire à un ensemble de gens ou une organisation en vue d'atteindre des objectifs. Les deuxièmes, la maturité spirituelle. En général, la maturité spirituelle consiste à connaître la croissance spirituelle, la croissance intégrale sur le plan spirituel, mais également qui a l'enseignement qui a le rôle très très crucial et important de conduire les gens dans les royaumes des cieux. Le rôle de la maturité spirituelle dans l'Église consiste à amener les gens dans les royaumes des cieux, parce que les royaumes des cieux n'est pas quelque chose réservé aux immatures, c'est quelque chose qui est réservé à ceux-là qui sont matures, parce que la Bible dit même le dernier jour quand Jésus viendra prendre l'église, quand nous serons en train de faire notre entrée au ciel, les gens se demanderont à Niwakinanani, et Jésus dira que Niwatakatif Wanango Mbo Meshinda Zikizadunia, pour dire que Wambo Waneza Shinda Zikizadunia, ce ne sont pas les immatures, ce sont les matures. Bon, la première des choses, c'est d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La deuxième des choses, c'est accepter de mourir avec Jésus, connaître la loi de la décomposition pour mieux produire les fruits. Parce que la maturité spirituelle consiste à produire les fruits dignes de l'esprit qui en est autre. La journée de vendredi était réservée aux exposés et débats. Et le dernier jour, le dimanche 27 août, journée réservée aux louanges et adorations. Il y a des choses qu'on se fixe chaque année.
et cela se réalise toujours. Notre objectif, c'est de former les jeunes à s'autofinancer, à se prendre en charge. Mais il y a tant de jeunes qui comptent beaucoup sur leurs parents. Au moment où nos parents ne sont pas éternels, c'est cette terre. Donc, nous leur formons à devenir des entrepreneurs, à s'autofinancer. Les difficultés ne peuvent, ne manquent jamais. On a eu des difficultés du point de vue logistique parce que nourrir une centaine de personnes pendant 5 jours, matin, midi et soir, c'est pas facile. C'est un peu ça. Mais quand même, nous avons quand même réussi. Le message que je donne à la jeunesse, c'est de prendre ses responsabilités. De se laisser faire. L'avenir de ce pays est entre les mains de la jeunesse. Donc nous devons nous prendre en charge. Nous devons prendre nos responsabilités. C'est un peu ça, c'est le message que je lance à tout le monde. Et à ceux de l'aumônerie, c'est l'unité, la cohésion sociale et l'esprit de dialogue entre nous. Pour rappel, cette 7e assemblée provinciale a réuni les jeunes chrétiens de la plaine de la Rosésie, de la ville d'Ouvira et celle de Bukavu. Et s'est tenue à Ouvira, à l'église aumônerie militaire, paroisse Kamulimbi.